Et salut les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Pokémon Violette. J'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, je vais vraiment très bien. Ça va beaucoup mieux, j'étais malade ces temps-ci, mais ça va vraiment, vraiment mieux. Et là on arrive sur l'épisode 10 sur ce Pokémon Violette. On avait terminé l'épisode précédent par le deuxième Pokémon dominant qui s'appelait Fer de Terre. Donc vraiment un très bon épisode, j'ai bien aimé. Alors si vous voulez poursuivre les aventures sur Pokémon Violette sur ma chaîne Les Petits Phénix, n'hésitez pas à activer la cloche qui se trouve juste en bas à droite. Ça permet de savoir quand je sors les épisodes, ça permet de vous tenir informé. Également ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et surtout, surtout laissez un maximum de pouces bleus. Ça fait vraiment plaisir, ça encourage et en plus si vous aimez le contenu, c'est d'autant mieux. Allez, on va poursuivre l'aventure sur ce Pokémon Violette. J'espère que vous êtes motivés car moi je le suis toujours. Alors, on va se situer un peu au niveau de la map. On a déjà tout exploré ces zones-là. Donc on a la zone 1, 2. Ça met dans l'ordre en fait où on a eu les différents, différents badges en fait tout simplement. Que ce soit sur les Pokémon dominants... les badges des arènes ou alors les badges par rapport à la Stardust. Voilà. Donc là, je vois que le plus proche, ce serait celui-ci. On va retourner sur la map, je suis trompé de douche. Alors. Et justement, c'est un objectif Stardust, mes amis. Donc, je partirai bien sur ce badge-là. Je sais pas ce que vous en pensez. On a toute une rivière à traverser. Après, ce qui m'embête un peu, c'est que les centres Pokémon sont loin quand même. Après, il y en a un qui est proche là-bas. Et ben, on va se rendre quand même là-bas. On va définir comme destination. À la limite, on va retourner à cet endroit-là. On va soigner l'équipe et puis on va se faire un petit rush rapide pour rejoindre le prochain objectif. C'est là que vous pouvez voir mon équipe. Ah non, elle était soignée. Quand j'avais fini le Pokémon dominant, mon équipe était déjà soignée. Ça, c'est dommage. Eh ben, c'est pas grave, mes amis. C'est parti pour le petit rush. Le petit boost. On a eu de la chance qu'on affrontait le dernier Pokémon dominant. On peut sauter beaucoup plus haut avec la monture Mirrodon. Donc, ça, c'est parfait. J'avais déjà affronté ce dresseur. Alors là, je peux sauter beaucoup plus haut qu'avant. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pratique. D'élixir. Allez, un petit boost. Un petit saut. Là, vous voyez. Mais les endroits qui n'étaient plus accessibles le sont maintenant. Ça, c'est vraiment utile, vraiment pratique. J'ai entendu quelque chose, il y a un bruit qui m'a interpellé. La pièce de mort du d'or, vraiment utile. Je suis même persuadé que ça se trouve, je peux sauter. Oula. Ah non, c'est pas assez haut quand même, faut pas rêver. Un petit bug, mes amis, un petit bug, je suis dans le vide. Si ça va aller. Oh là 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 là, que c'est moche, bug. On a carrément planté là. Alors ce qu'on va faire, c'est que je peux pas sortir de ce bug apparemment. J'ai vraiment planté. J'étais vraiment complètement coincé. Alors ce dresseur, je me souviens pas de l'avoir combattu. On a Miascarade qui est en première liste. C'est parti. On va en profiter pour attaquer les dresseurs qu'on a autour de nous. Hein. Même si on va rusher à l'objectif. Et c'est un Pokémaniaque. Ah, utilisez Viator. J'aurais dû sortir Pomote. Par exemple, on va essayer l'attaque tranche nuit, ça devrait passer. C'est parti. On l'a mis midlife. Je
Je suis pas trop inquiet que son attaque cascade. Le Léviator est KO. Mascarade qui a aussi évolué récemment. Donc, très content de l'avoir. Le pauvre, il vient d'évoluer, il ne sait pas encore se servir de son nouveau corps. Ça viendra, ça viendra. On va faire un petit pex un peu le Léviator qui récupère un peu d'XP. Je vois, il y a des charibari. On a un Caninos aussi. Vraiment le faire pex un petit peu pour pas être trop en galère sur l'aventure. Allez, on va avancer. On va aller voir ce qu'il y a au niveau du point d'interrogation. Ça bug pas trop. Ah, c'est marrant, je vois le point d'interrogation qui est juste ici. Je vois qu'il n'y a rien qui se passe. Alors soit c'est quelque chose peut-être en rentrant dans la grotte. On va aller voir. Oula. Oulalalala, mes amis, combat Pokémon est lancé contre Wagomin. Donc j'ai appris l'attaque Hydro-Queue. Enfin, une attaque eau qu'on attendait depuis un petit moment avec le Léviator. Et on l'a enfin obtenu. Léviator qui prend un level. Allez, on va voir ce qu'il y a au... Peut-être tout simplement passer... Oh là là. Il y a des bugs graphiques, mes amis. Non, ce n'est pas ça. Une petite grotte, là. Pas non plus me retrouver dans le décor comme la dernière fois. Je vois un autre point d'interrogation là-bas. Mais je vois rien du tout. Bizarre. C'est bizarre, mes amis. Ah, une pierre foule. Intéressant. Alors, ce Pokémon, je l'ai pas capturé. On va regarder. Alors, je crois qu'il est de la 8ème génération d'épée bouclier. Du Nadja. On va tenter une attaque morsure pour commencer. Expulsable. Ok. Augmenter son esquive, c'est un peu plus dur pour. Pour la précision. Du coup, il est KO. Ok. Du coup, je suis un peu perdu avec ce point d'interrogation. Enfin, oui, point d'interrogation. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être passer dans l'une des grottes pour découvrir où ça va nous mener. Enfin, si on ne trouve pas, c'est pas grave. Hein. Tiens, bah le fer de terre, on n'a pas encore capturé. On va en profiter, parce que je l'ai pas encore. Fer de terre, qu'est-ce qui lui arrive? Il est plus aussi grand qu'avant. Hein. Il est tout rikiki maintenant. On va tenter une attaque hydro-queue. Je pense pas le mettre KO. Une attaque morsure, allons-y. Et on va le terminer avec cette attaque et lancer une Pokéball. Je pense pas qu'il va tomber KO. Le fer de terre.
C'est parti pour la Pokéball, mes amis. D'accord. On va se laisser capturer. Et ben, on va y aller carrément la Super Ball. Et s'il veut pas la Super Ball, à l'Hyper Ball. J'ai pas la Master Ball encore. Ça veut pas. Décidément. Il a pas envie de se. Qu'on le capture, ce fer de terre. J'aimerais bien quand même. Allez, Hyper Ball. Pas de raison que ça passe pas. Alors, je sais que les Pokémon ont différents taux de réussite de capture. Hein. Après, je les connais pas du tout. Je pense que celui-ci était un peu difficile à capturer. Donc, Pokémon vert de terre de type acier. On l'a déjà rencontré en Pokémon dominant. Et une petite bouille sympa. Je pense qu'ils sont inspirés du Onyx. Hein, qu'on a connu dans la première génération. On en voit encore, il y en a un peu partout. Allez, on va avancer. Ah, tiens, il y a une tour là. Il y a un dresseur, il y en a partout. On commence par quoi? Quel est ce Pokémon juste derrière? Ah bah c'est encore un fer de terre. Allez, c'est parti, combat. Que penses-tu des chansons tristes? Tu ne les aimes pas? Moi, ça m'est égal. Lyra, la musicienne, veut se battre. Un Pokémon insecte, mais le cric. Allez, on commence par une attaque morsure. Pas mal. Alors je sais pas combien ils ont mis de Pokémon sur sur la version Pokémon Violette. Combien on en a au total, je ne sais pas. À mon avis, ils doivent être nombreux. La douleur de la défaite. Lalalala. Du mal, l'Eléviator. Alors, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a là-haut. Je sais que la dernière fois que j'ai fait une tour sur l'un des épisodes que je vous ai présenté en let's play, on avait rencontré un Pokémon qui ressemblait à un coffre. Est-ce qu'il y en a à chaque tour? Je ne sais pas. Tiens, je vois qu'il y a un camion là-bas. Mort. Ah, je vois un centre Pokémon là-haut. On n'est pas si loin en fait. On n'est pas si loin. Ça monte encore, mes amis. Ça monte encore. Alors pour le moment, tout ce qui est les bonbons d'XP, je garde pour le moment. Je boosterai vraiment plus vers, vers la fin d'aventure. Hein. C'est vraiment garder le maximum. Exilir Max. Alors, je pense que c'est le Pokémon qu'on a déjà affronté la première fois. A mon avis, ça va être le même. Mordudor. Je me suis planté sur le nom. Bon, on l'a déjà capturé, on va pas le capturer une deuxième fois. Oula, je me suis retrouvé ici, je sais pas comment. Ah oui, c'est vrai qu'on peut sauter maintenant. Plus besoin de... Hop là, allez, salut. Allez, coup de boost. On va aller vers le centre Pokémon. Alors attendez, si je me retrouve où, moi?
Ouais, on va aller quand même aller chercher le centre Pokémon. Et on va rejoindre l'objectif là-haut. Il y a du dresseur, il y en a partout. Allez, fight. Bon, enchaîner un petit peu plus sur ce... sur cet épisode, en faire plus de dresseurs, plus de Pokémon. J'ai envie de booster un peu tout ça. Allez, Livia, l'étudiante, utilise de... Dauphin ? Comme un dauphin. Dauphin, ouais, avec un F. Pourquoi pas. Allez, on tente l'attaque morsure. C'est comme tunnel, mais avec... en attaque haut, attaque plongée. Bon, là, ça va échouer, c'est pas grave. Au prochain tour, c'est la bonne. Allez, au revoir, dauphin. Désolé, même si t'es beau gosse. Adieu. Alors, c'était pas résumé que je voulais faire. On va attaquer le petit groupe là-bas pour XP un peu. Le temps qu'elle combat tout ça, je vais récupérer l'objet. Un petit rappel, toujours utile. Hop là. On va essayer de capturer. J'ai perdu son nom et je l'ai lu tout à l'heure pourtant. C'est Dunaja. Allez, on va faire une attaque vampire baiser pour récupérer les PV. Pas assez efficace. À mon goût, c'est pas assez efficace. Regarde Médusan. Aïe aïe aïe, ça paralyse. Pas cool ça. Oui. Oui oui oui. On tente la griffe acier. Rigole pas trop hein ce. Du Nadja. KO. On va repartir sur les Léviator. Tombé sur un Pokémon, je l'ai pas vu. Je crois qu'on a déjà capturé. La tête en poule. Effectivement, on l'a déjà capturé. Allez, on va se faire un petit rush au prochain centre Pokémon. On appelle ça les stations. C'est parti. On va passer par là. Ça. On a débloqué la station, enfin le centre Pokémon. On va en profiter aussi pour acheter tout ce qui est Pokéball, Super Ball, les Hyper Balls s'il y en a. J'aimerais bien qu'il y ait des Hyper Balls parce que les Pokémon commencent à être difficiles à capturer. Je veux pas qu'on se retrouve non plus en galère. J'aimerais que ça se passe bien lors de mes let's play, c'est normal.
Ah, j'entends que ça a gling-gling. Il doit avoir le petit... C'est mordu d'or, je crois. Alors, on va acheter... C'est vrai que j'ai plus de potions, j'ai plus de super potions. Des Pokéballs, on va en reprendre. Et là, on va surtout investir dans les Super Balls. Maintenant que les Pokémon commencent à être assez difficiles. On va essayer d'en avoir au moins une trentaine, ce serait bien. Alors ça, je crois que ça rend tous les PV lorsque je le capture. On peut en prendre. On peut toujours servir. Alors je sais pas si sur ce Pokémon, on peut pêcher comme dans les anciennes versions, tout simplement. Après, si on rencontre des Pokémon ou insectes, ça peut être utile d'avoir des filets balls. Et je crois que j'ai plus de sous. On est à sec. Alors on va en profiter pour vendre. Parce que je crois que j'ai des trésors ou j'ai eu des pépites. Alors ça va être où? Mais c'était, on les garde. Ça, on le garde. Ah voilà. Là, on va pouvoir vendre un peu pas mal d'objets. C'est fait pour ça. Est-ce que je vends les champis? On va en vendre 4. Je crois que la seule utilité, c'est pour faire de l'argent. Et comme j'ai un doute, on va pas tout vendre non plus. Ça, c'est pour les magasins. Il n'y a pas de souci. Je crois que les os rares, c'est pareil. Là, on est en train de se refaire le porte-monnaie, mes amis. Ça y est, on est riche. Et je vais en profiter pour acheter un peu de Super Bowl. Tout ce qui est brûlure, j'ai l'air d'être pas mal. Antidote. Ok, les rappels, j'en ai 11. Et Pookie Poupée, j'en ai aussi. Après, Pookie Poupée, j'utilise très rarement, honnêtement. Ouais, 50 PV, 60 PV maintenant. Allez. Hop là. On se prend un jeu de Super Bowl et on va s'arrêter là. On est pas mal. On est un peu mieux équipé là pour l'exploration. Et on y retourne. C'est parti. On va jusqu'ici en bas rapidement. Jamais on voit des nouvelles choses, des nouveaux objets. Joaquin, c'était là-bas. Il y a un objet là-bas. C'est vrai que ça saute bien haut. Maintenant qu'on maintient la touche B, c'est vraiment efficace. Hein. On a une très grande portée pour sauter. Mur de fer. Ça permet de booster la défense. Ça, c'est utile. Je crois que je connais ce Pokémon. C'est Salamandre. Si je dis pas de bêtises. Non, Tritox. Salamandre, ça doit être son évolution. Déchaîné sur lui là. Je pense qu'on le rentre, on va le rencontrer plus tard. Ah, un rappel max, c'est très utile ça. Allez, on va continuer à avancer. Je me retrouve où là?
Une pierre foune, c'est bien, on récupère pas mal de pierres. Il y a des Pokémon à faire évoluer, c'est le moment. J'ai capturé un Pikachu, il me semble, aussi, tout au long de l'aventure. Une pièce de mordu d'or récupérée. Pourquoi il attaque pas mon Léviator? Il arrive pas. Il a l'air d'avoir un petit bug. Bah. Léviator ne veut plus attaquer. Ok. Un petit souci. Ah si, ça y est, c'est revenu. Je crois que je le connais, ce Pokémon. C'est pas le Pokémon qui devient Dratak. Ça m'intéresse, ça. Drabi. Il me semble, si je me souviens bien, dans les générations, dans les premières générations. Plus c'est dans la troisième. C'est bien la troisième. Il sent qu'il deviendra Tac. Le petit Drabi là. En type dragon, ça pourrait être sympa. On tente la Super Bowl, on essaie de le capturer. Je la rajouterai bien dans mon équipe, tiens. Ou qui m'intéresse. Ou qui m'intéresse. J'ai envie de le jouer. Sachant que je voulais jouer un type ténèbre, mais que Miascarade est de type ténèbre aussi. Ouh, il me tente bien. Ouh, ça me motive, ça. Pokémon tête de rock en type dragon. C'est bien ça. Je vais l'inclure dans l'équipe. Vrombi. Vroom, vroom. Ouais, je crois qu'il deviendra Tac, si je me souviens bien. Il est quel level actuellement? Level 24, il va falloir le faire pousser par contre. Alors, l'objectif, il est là-bas. Par contre, j'ai une grosse colline devant moi. On va regarder un petit peu. Alors, on va contourner et passer certainement par la gauche. Allez, c'est parti. On y va. On va peut-être passer, voilà, tout le long et sur la gauche. Ah, j'ai hâte quand même qu'on attaque notre deuxième Stardust. J'avais bien aimé le premier, même si j'avais galéré. C'est pas grave. Mais là, je suis plus confiant. On est mieux armé. J'ai une meilleure équipe. Ah, j'ai trop hâte, mes amis. Vous savez pas comment j'ai trop hâte. Je bouillonne à l'intérieur. C'est trop fort. Allez, on y va. On a réussi à sauter. Ah. On va rentrer dedans. Et le feu rouge, il est où le feu rouge? Aucun respect. Allez, une attaque hydroqueuse, c'est parti. Le Vrombi évite l'attaque. On repart sur hydroqueuse. Léviator a l'air d'avoir une très bonne attaque. J'ai pas regardé les stats de mon Léviator encore. On est plutôt pas mal. Oula, c'est une sorte de petit labyrinthe ici. Il y aura pas mal d'objets. Ah, super bon, c'est pratique ça. Alors j'espère que je vais pas bugger comme tout à l'heure, parce que c'était un peu galère. Rayon Game. Où j'aime le. Hop là. Ah, j'entends le petit bruit d'un mordu d'or qui est juste là. Je les récupère, je sais pas à quoi ça sert pour le moment. On verra par la suite, hein, parce que j'en récupère quand même pas mal. Des PP+.
voir peut-être un objet là-haut. Acrobatie, le lanceur frappe la cible avec agilité. Guérison. J'en entends un deuxième, un mordu d'or là. Je sais pas si vous le voyez. Après, je sais pas combien il y a de pièces de mordu d'or, si on en trouve un peu partout. Je vois pas. Je l'entends pourtant, il est pas loin. Il est pas loin. Il se cache où? Ah, il est là. On l'a trouvé. Il était là, dans le bas. Impeccable. Je pense qu'on a fait le tour, là. Ah, non. Je vois une autre Pokéball là-haut. Un autre objet. Et là, on est bon. Allez, on va sortir de ce mini-labyrinthe. Et on va contourner la montagne, mes amis. Il y a pas mal de pierre-feu ici. Hein. Pierre-feu, pierre-foudre. En fait, on s'arrêterait tous les 5 secondes, en fait, sur ce jeu. Sur ce Pokémon, on s'arrêterait tous les 5 secondes. Il y en a vraiment partout. C'est ce qui fait la magie de ce Pokémon, hein. Ça me rappelle aussi, j'ai rencontré ça dans Zelda Breath of the Wild où on partait sur un objectif et au bout de 2 secondes on décrochait parce qu'on avait vu autre chose. Et bah il y a la même magie sur Pokémon Violet, c'est impressionnant. Ah, je viens de foncer dans un Pokémon. Vivorant. Virovant, pardon. Est-ce qu'on a réussi à le capturer? Pas encore, je l'ai combattu 2 fois il me semble. On n'a pas réussi à le capturer. On va essayer de capturer ce du Nadja. On va plus partir sur de la morsure pour pas non plus l'affaiblir. Trop l'affaiblir. Une tempête de sable se prépare. Oulalalala. J'aime pas être paralysé. J'aime pas ça. Tempête de sable fait rage, mes amis. Allez, on tente la Super Bowl. On va essayer que ça passe. Et ça passe, mes amis. On a réussi. Vous inquiétez pas, il y a des Pokémon que j'ai pas encore capturés, que j'ai déjà rencontrés. On les reverra au fil de l'aventure, ne vous inquiétez pas. Je n'ai aucun doute là-dessus. Donc Nunaja, qui est un Pokémon serpent sable de type sol. Pour les petites infos. Pas très beau d'ailleurs. C'est vrai qu'il fait la tête quand on le voit. Ah, il est paralysé, Léviator. Voilà, problème résolu. J'ai une dresse juste ici. Allez, on y va. C'est pas le thème, Kiki. Comme je dirais. Tu es venu me parler parce que tu pensais que j'étais une spécialiste du type dragon. Ah, apparemment, elle utilise des Pokémon dragon. Oui. Le Dracologue. Non, c'était pas ça. C'était comment son nom? Dratatin.
On va partir sur une attaque morsure parce que je crois qu'il est plante. Dragon est plante. Aïe 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 aïe. Trois fois déjà. C'est pas très bon ça. Bon, avec trois morsures, on va l'avoir. Si je pouvais l'apeurer avec le second, ça aurait été bien. Alors, il pleut. Je vais essayer une attaque hydro-queue pour voir si ça fonctionne. Non. J'ai pas attaque, des attaques glace, c'est dommage. Genre, une attaque glace là, ce serait terminé. Allez, une dernière. Ah, Vampigraine. Ça m'arrange pas, ça. Faut avoir deux attaques morsures pour que je réussisse à le combattre. Enfin, faut pas qu'il se soigne à chaque fois, sinon ça va être compliqué. Oh là 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 là, catastrophe. Ah, il faut que tu tiennes le coup, mon Léviator. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Il n'y aura pas au-delà de 5 fois de toute façon. Allez, on termine avec l'attaque morsure. Et normalement, on est bon. Attaque morsure, c'est parti. Il est pas content, Léviator. Hein. Il est pas content. Eh bien, tu avais raison. J'adore les Pokémon Dragon. Ok. On va y mettre quand même un petit soin à Léviator. Qui récupère un peu. Allez. On va avancer. Bon, il y a de l'orage, mes amis. Ça pleut beaucoup. Ah, c'est marrant, il y a un arbre qui est coloré, vous avez vu? C'est bizarre. Deux arbres colorés. Ah, des Pokémon aussi. Toujours des Pokémon. Oula! C'est un Zorua. Ah, c'est trop classe ça. On va partir sur Hydro-queue. Comme j'ai l'avantage avec la météo. Un peu trop l'avantage du coup. Je me dis en fait qu'il va résister à chaque fois. Et je l'ai mis KO. Qui veut apprendre Machouille? Très bonne attaque Machouille pour baisser la défense si je me souviens bien. Ouais, c'est bien ça. Alors c'est le Drabi qu'on veut inclure dans l'équipe pour le moment. Alors il a l'attaque morsure. Ok, c'est très bien. Draco souffle. Ça peut paralyser aussi, c'est une très bonne attaque ça. Coup de boule qui peut appairer la cible. Et bon, on va enlever Grimace. On va enlever Grimace et puis on verra par la suite qu'est-ce qu'il pourra prendre comme attaque. On a du Mimiki, on a encore plein de Pokémon. J'ai jamais aimé ce Pokémon. Mimiki. J'ai jamais pu aimer ce Pokémon. Je ne voulais pas. Bah, jamais plus. Vraiment, j'ai du mal. On repart sur Hydro-queue. Allez. Ah, quand même, je capture pour le Pokédex, même si je vous avoue, il me tente pas. Il me tente pas du tout.
Allez, on essaye. Ah là, ça doit se voir que je l'aime pas du tout, ce Pokémon. Allez, du premier coup, ce Mimiki. Ça passe pas. Y'a un truc qui passe pas avec Mimiki. Bon, je tente l'hyperball si je veux que ça se fasse. Et là, je vais cramer 15 Pokéballs, je sens. Pour un Pokémon que je n'aime pas. Non. Quand même pas, quand même. Bon, une petite attaque charge, allez. Pour redescendre un peu ses PV. Et on retente une Super Ball. Si jamais il résiste. Ça l'affecte pas. Super. Morsure, ça va le terminer. Allez, on tente la dernière Hyper Ball. On va essayer. Oh, qu'est-ce qu'il y avait derrière moi comme Pokémon? J'ai vu tout un troupeau de Pokémon derrière moi. On va voir après. On a des gros singes derrière nous, attention. Alors je mâche pas une Honor Ball, alors je veux pas l'honorer du tout. Il va être collector celui-là si je capture. Hydro-queue, ok. Pas très efficace, mais fait quand même pas mal de dégâts. Bon. Maintenant que je suis lancé, il faut que je le capture. On va utiliser Pomote, on va faire une cage éclair pour faciliter la capture. Allez. On va lancer la cage éclair. Avant qu'on puisse plus le toucher non plus. Il augmente son esquive. Voilà, ça va aider. On relance une Super Ball. Normalement, je devrais être bon quand même. Ah, le Mimiki que je ne supporte pas. Allez, Super Ball et on n'en parle plus. Ah, dû commencer par ça. Ok, on l'a capturé. Le Mimiki. Alors, tendance. Je connais pas cette attaque. On doit être bouvelle dans cette 9G. À moins que je l'ai pas connue dans les autres générations de Pokémon. Alors, le lanceur danse sur un rythme étrange. Il force sa cible à l'imiter. Ce qui lui fait adopter son talent. Est-ce qu'on lui apprend? Non, ça me tente pas trop de lui apprendre ça. On va pas lui apprendre, j'aime bien mes attaques que j'ai de base. Idéalement, si je pouvais avoir une autre attaque combat. Après, alors, je reviens sur Mimiki, même si je n'accroche pas. J'ai vraiment pas d'accroche avec ce Pokémon. Il a quand même un bon double type, un spectre effet, c'est pas si mal. Après, honnêtement, il me tente pas. Dites-moi si vous aimez Mimiki dans les commentaires. Hein. Qui sait, il y en a peut-être qui l'aiment. Moi, je vous avoue, j'ai pas trop d'accroche sur ce Pokémon. Oh, on a une très bonne surprise, là, mes amis. On a une très bonne surprise. C'est Forgela qui va évoluer. Je ne savais pas. Eh ben, c'est parti. On y va, on découvre ça tous ensemble. Let's go. Un Forgelina. Elle déconne plus là. Là ça déconne plus, ça rigole plus. Forgelina. Elle a une masse. Celle-là, si tu la prends sur la joue, je peux vous dire qu'on va la sentir. Hein. Bien. Très très bien. Bah, je suis très content de. Du stade 2 de son évolution. C'est vraiment top. Toujours fait assis en double type. C'est vraiment génial. Franchement. On pouvait pas rêver mieux sur ce Pokémon.
Pokémon Marteau. Très très bien. Et du coup, je pense qu'on a son stade final en évolution. Et apparemment, elle va prendre Marteau Mastoc. Ça doit être son attaque signature, à mon avis. Alors, on va oublier une capacité. On va regarder ce que c'est d'abord. Déjà, puissance 160, mes amis. C'est énorme. 160 de puissance. Ça rigole pas. Alors, le lanceur met tout son corps à contribution pour attaquer la cible avec une immense... avec un immense marteau. Cette capacité ne peut pas être utilisée deux fois d'affilée. Le petit inconvénient, c'est qu'on ne peut pas la réutiliser, comme ils disent, deux fois d'affilée. Hein. Mais ça reste quand même très intéressant. Et je pense qu'on va enlever... Je vais garder ça pour la confusion, parce que ça peut m'être utile. On va enlever Griffacier, parce qu'elle a tellement de puissance. Allez, Marteau Mastoc, une très 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 bonne attaque. Je pense qu'il y a moyen que ça devienne un très bon Pokémon, Forgelina. Pas regarder ses stats. Vraiment super. On va en profiter pour regarder... Non, c'est pas déplacé que je veux, c'est le résumé. Donc elle a pas mal de PV, on est bien en attaque classique. Attaque spéciale 60, il manque un peu d'attaque spéciale. On a une très bonne défense spéciale, on va bien résister. Vitesse on est assez bien, défense un peu faible. Ouais. Ok, donc plutôt bon Pokémon, ça fait plaisir. Donc, très content de l'avoir dans mon équipe. Ça je vais la garder définitivement, c'est super. Très bonne surprise, je suis content, c'est trop bien, oh là là. Allez, on continue l'aventure, tiens, je vois, il y a un Pokémon Terra Crystal au fond. Il y a des champignons, il y en a partout. Je vois un Pokémon qui vole sur la gauche, je crois que c'est Aeromite, j'ai reconnu avec le coin de l'aile. Ah, c'est Zorua qui était camouflé. On retente l'attaque hydroqueux. Tout à l'heure, il pleuvait. Là, je pense qu'elle va résister un peu quand même. Ah non. Vraiment, je me calme avec Léviator. Il casse tout la baraque. On a Aeromite qui est juste là. Encore plein de Pokémon à capturer. Alors, quel est ce singe? Il ressemble à un singe pour moi. C'est Cartemac. C'est vrai qu'il a des noix de coco sur la tête. Allez, on va tenter l'attaque hydroqueux. C'est parti. Je vais faire juste une petite attaque charge pour faciliter la capture, parce que je ne l'ai pas encore. On va tenter de le capturer. Allez, il évite l'attaque. Au prochain tour. Ah non, c'est moi qui évite l'attaque. Allez, Super Bowl et on est bon. Impeccable. Vous pouvez pas faire mieux. Donc c'est un Pokémon coopération de type combat. Je sais plus de quelle génération il est. Pas Soleil Lune. Je dirais bien Soleil Lune, j'ai un doute. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quelle génération il est, parce que je m'en souviens plus. Mais il me semble que c'est Soleil Lune. À voir. Oh, une petite allure assez sympa, il est marrant. Ça fait penser à Colossinge un peu. Alors, on va fuir, on va les combattre en direct pour gagner davantage d'XP. S'ils me foncent pas tous dedans. Hein. Non, Léviator et type combat, ils devraient s'en sortir. Un Solourdo, on l'a pas capturé, il me semble. Ça, c'est un Pokémon de la 2G, je m'en souviens bien. Justement, il doit être de type sol. On va faire des attaques morsures pour tenter la capture. C'est un peu long par contre. Allez, Léviator.
Ouh là là, ça veut faire dodo là. Et bon, on tente la capture maintenant. C'est parti. On y va. Et ça passe, mes amis, c'est bien. On est en train de compléter le Pokédex à grands pas là. Plutôt bien. Pokémon serpent. Ah non, il est de type normal. Je pensais qu'il était seul, vous voyez. Il est juste de type normal. Ok. Allez, on va avancer un peu. Donc, il faut qu'on aille à l'objectif. On a de l'insecte en Pokémon. Et ce Pokémon. Ah oui, c'est de l'épée bouclier celui-ci. Non, c'est Ténéfix. On va regarder. M'intrigue celui-là. Oui, c'est le petit diable. Grimalin, voilà. Petit Grimalin qu'on a connu dans Épée Bouclier. Ah, Vantardise. Pas très gentil ça. Je vais être confus du coup. Du coup, j'ai peut-être le one shot. Si jamais ça passe. Non, ça passe et. Pas très efficace. On part sur Morsure, on va tenter de le capturer aussi. Oula, coup bas. Je m'en sors, c'est bien. Ok. Allez, go la Super Bowl. Et Grimala va rejoindre. Enfin, va compléter le Pokédex. C'est parfait. Donc on a un peu de route hein, jusqu'à la Stardust. On rencontre pas mal de choses sur le chemin. Alors, dans ce Draco. C'est pour augmenter l'attaque et la vitesse du lanceur. Et ben on va enlever Trompette parce qu'elle ne sert strictement à rien. Pour Léviator, c'est très bien. Donc ça y est, il a appris dans ce Draco, c'est parfait. Grimalin, Pokémon malin de ténèbres et fées. Marrant qu'il est de type. C'est pas courant. Je crois qu'il devient en Goliath hein, au stade final. Si je me souviens bien. Allez, faut qu'on fasse le tour. Ah, y a plein de Pokémon encore. Hein. Ah là là. Il y en a partout, mes amis. Il y en a partout. J'ai une pomme. Eh, mais tu devrais pas être à l'école, toi. Retourne en cours. Ah, pas très gentil de dire ça. C'est pas très gentil de dire ça, dis donc. On le remet à sa place un petit peu là. Allez, Jason l'étudiant envoie Cotovol. Allez, mon Léviator. C'est parti pour le combat. Allez, une attaque morsure. Acrobatie. Allez, dernière attaque, morsure. Il va être KO, mes amis. Cotovol. Cotovol, il vole plus. Il ne vole plus, le Cotovol. A plus. Ah, Noctalie, un Pokémon que j'adore. Un très bon Pokémon. Allez. On va tester Forgelina en combat. Beaucoup mieux. Ah oui. J'ai bien aimé ces...
Pokémon de base qu'elle était, et le stade 1, vraiment top. On va essayer Marteau Mastoc, j'ai envie de voir à quoi... Comment elle est. Ah oui. Ouh le, mes amis, ça fait mal. Ah, je peux pas la réutiliser, non. Non. Non, ça va échouer. Alors justement, on va partir sur Vampy Baiser. Avoir une bonne défense sur Noctalie quand même. J'ai du mal à le descendre. On va réutiliser la même attaque et ça devrait passer. J'ai une espèce de flamme bleue à gauche là-bas. Ah, infect en Pokémon, c'est pas mal aussi. Hein. Allez, on va faire combattre un peu Charbambin. Un petit moment qu'il n'a pas combattu. C'est d'alterner un peu les Pokémon. Allez, on part sur l'attaque Flamèche, c'est parti. Ouh lolo, ce one shot que j'ai pris, mes amis. Ouh, ça fait pas du bien. Ouh, ça pique. Ouh lolo. Ça rigole plus là. Allez. Allez, magie florale. Nous aussi on peut faire des one shot. En coup critique en plus, bah oui. Son attaque signature à Miascarade. Allez, on va utiliser un petit rappel sur Charbambin. Pour qu'il continue à pex. Alors j'ai une espèce de flamme bleue là vers le fond. J'avais cru voir, non? Non, peut-être pas qu'il délire. Alors je vois que ça brille de 1000 feux. Pokémon feu. On va partir en solo, c'est parti, on va essayer de l'affronter. Je crois reconnaître la silhouette, hein, c'est tête en poule. Je pense en Terra Cristal feu. C'est parti, on va voir ça. Je pense que c'est lui. On va voir si j'ai bien deviné. Un petit moment qu'on n'a pas fait de raid Terra Cristal. Avec la musique intense, j'aime bien. Et il a les bougies, ça doit être ça. Je pense que la Terra Cristallisation est bien de type feu. Du coup, je me posais la question, le... Je pense que la Terra Cristallisation prend le dessus sur le type d'origine. Hein. Oui, ça doit être ça. Vu les dégâts que j'ai mis, c'est ça. C'est vrai que ça change tout la mécanique des Pokémon qu'on a connus. Alors je crois que je l'ai déjà capturé, on va pas s'amuser à le recapturer. On l'a déjà dans notre équipe. Pas dans mon équipe, mais dans la boîte PC. On va pas s'amuser à capturer les mêmes Pokémon à chaque fois. J'en ai pas 10 dans le même. Le 10 mêmes Pokémon dans la boîte PC. C'est déjà assez le bazar. Ok. Jouer une tente là-bas. Je vois des dresseurs aussi.
C'est la Starburst, la Team Star, ça. On est... Oula. Je me suis retrouvé entre les deux Pokémon. Fragouin. Une sacrée bouillie, celui-là. Allez, on part sur la même attaque. On va tenter de le mettre KO. Et il est KO, mes amis. Ici, personne ne se dispute, ça fait du bien. C'est pour ça que je me sens mieux qu'au bahut qu'avec la Team Star. Ou même que chez moi. Ils sont juste là, en fait. Ils font rien de spécial. Ici, c'est un refuge pour tous ceux qui ont décidé de s'écarter des activités de la Team Star. Opération Stardust, une lettre de défi. Désolé, on n'est au courant de rien. Nous, on n'a pas de contact avec les chefs. Bref, c'est sympa d'être passé nous voir. J'aimerais pouvoir t'accueillir dans de meilleures conditions. Tiens, prends ça. Au moins. La casquette de Sport Star. Hein, tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Ou bien partir quand ça te chante aussi. D'accord. Ah, j'ai entendu le petit... J'ai pris le réflexe maintenant de l'entendre le... les pièces de mort du dor. C'est impressionnant. Ah, tombe pas. Allez, on va remonter sur la tente. Pièce de mort du dor. Je sais pas ce que ça va nous apporter plus tard. On verra bien. Alors du coup, je sais pas par où passer parce que c'est quand même long pour aller à l'objectif. On va essayer d'avancer un peu. Ça y est d'avoir la baie. On a un dresseur juste à côté. Alors je suis où? On va y arriver avec la map, on va s'en sortir. L'objectif est là quand même, je suis bien écarté de l'objectif. Je sais pas par où je dois passer, c'est assez chaud. C'est quand même bien écarté. Hein. De toute façon, on peut pas y accéder de suite, hein, c'est possible. Hein. Du zinc, c'est toujours utile le zinc. Allez, combat Pokémon, c'est parti. Excusez-moi, connaîtrez-vous l'adresse de l'équipe Poison de la Team Star, par hasard? On est tous les deux paumés à ce joueur. Un Béquipan. Pokémon haut et vol, le Béquipan. On va envoyer Pomote, une petite attaque éclair. Ça va passer comme une lettre à la poste, vous allez voir. Allez, c'est parti, attaque éclair. Le Béquipan qui est KO, mes amis. On est un peu perdu là pour le coup. Je sais pas trop où je dois me rendre. Forgenia veut apprendre bluff. Alors que je connais l'attaque, non. Pas envie d'apprendre bluff. Je lis tout de travers, aussi bien la carte que le flot du combat. On
On est perdu, mes amis. Je sais plus où aller. Je pensais contourner et pouvoir faire le tour. Après, je peux pas aller dans l'eau non plus. On a dû louper quelque chose. On va essayer de continuer quand même. Hein. Alors, sauter en l'air, ça fonctionne pas. Ça n'évite pas le combat Pokémon. Ah. Ah, Flamme. Monsieur Clavel, on sait que c'est vous. Au risque de me répéter, moi c'est Clove, ton vieux pote. Tâche de t'en souvenir. Flamme, avant tout, je dois te dire merci. Car c'est grâce à toi que j'ai accepté au sein de l'opération Stardust. Pourquoi va rejoindre l'opération ? Je veux comprendre ce qui se passe avec la Team Star et pourquoi ses membres agissent ainsi. C'est-à-dire, des rumeurs courent sur eux. On dit qu'ils harcèlent les élèves. Ils en auraient poussé un grand nombre à quitter l'école. Il paraît aussi qu'ils montent un plan pour prendre d'assaut l'académie depuis leur repère. Bon, à savoir, petite parenthèse, on n'est pas sur la Stardust que j'avais choisi comme destination, mais c'est pas grave, on va s'attaquer à celle-ci, et puis on essaiera de trouver tout simplement le chemin pour aller à l'autre Stardust. C'est pas grave. Tant qu'on continue l'aventure, moi, ça me dérange pas. On continue. Mais ce sont que des rumeurs, il y a plus préoccupant. Les membres de cette Team Star sèchent l'école depuis bien trop longtemps. En particulier, les 5 élèves qui s'appellent Boss. Et oui, c'est les Boss. Cela fait plus d'un an qu'ils n'ont pas mis les pieds à l'école. En outre, leurs sbires ont récemment commencé à commettre des actes de délinquance. Ah, c'est pas bien ça. C'est pas bien la délinquance, mes amis. Vous comprenez que je trouve cela inadmissible, c'est pourquoi je leur ai lancé un ultimatum. Je les ai sommés de dissoudre leur organisation, sans quoi je renverrai tous les élèves qui leur sont affiliés. Ce serait dommage d'en arriver là quand même, si on peut trouver des solutions. Mais ils ont ignoré ma demande et l'échéance de mon ultimatum approche à grands pas. C'est à ce moment que j'ai entendu votre conversation avec Cassiopée. Cassiopée, ouais. C'est Cassiopée, tu m'entends, Flamme ? Ah ! Murmure. Reprenons cette discussion plus tard. Faites attention à vous. Il essaie de se faire discret, le proviseur. On sait que c'est lui. L'un des repères n'est pas loin. Mais tu parlais à quelqu'un ? Ah, j'ai horreur de mentir. Je vais pas mentir. Bon, non à personne. Tant pis. Tu as vaincu un membre important de la Team Star, les autres boss sont sur leur garde, tu m'étonnes. Attends-toi à plus de résistance dans leur prochain repère. Je te recontacte plus tard, fais attention à toi. Et ben du coup mes amis, on va attaquer cette Starbust qui n'était pas l'objectif de base, mais c'est pas grave. On redéfinit celle-ci comme destination principale et c'est parti, on y va. Pour cette Stardust, let's go! Non mais tu vas t'en aller à la fin? Ah, pas question, je partirai pas avant de voir le boss de l'équipe Poison. Je veux parler à Erio Sensei. Apparemment le boss va s'appeler Erio Sensei. Ok. Mais puisque je te dis que c'est le boss lui-même qui nous a ordonné de laisser entrer personne. Je m'en fiche, je veux le voir. Oh, par pitié, sois sympa et fiche-moi la paix, d'accord? Ces deux-là ont l'air de se disputer, que faire? Et bien, on va s'approcher d'eux. Quoi? Toi aussi t'es venu me casser les pieds? C'est vraiment pas ma journée. J'aurais dû y réfléchir à deux fois avant de rejoindre la Team Star. Retourne en cours. Attends, Sbirsan, tu le reconnais pas? Je crois que c'est Flamme. Flamme? Le type qui a défié la Team Star? Oui, c'est bien moi. J'en étais sûr. Ouah, ça craint. On a joué aux jeux vidéo toute la nuit. Les autres doivent encore être en train de pioncer. Laisse-moi m'occuper de lui, Sbirsan, pendant ce temps.
va réveiller tes compagnons. Hein? Mais pourquoi tu ferais ça pour nous? Si le repère est sans défense, ça veut dire qu'Eryo-sensei est en danger. Et je dois tout à Eryo-sensei. C'est un mentor pour moi. Face aux difficultés, je brave le danger. C'est mon Nindo, c'est ma vocation. Ok. Je comprends rien à ce que tu racontes, mais merci pour ton aide, petit. On dirait qu'il voulait rejoindre la Team Star, le petit bonhomme là-bas. Ville canaille, tous t'en prendre à moi, Sensei. Ça va pas se passer comme ça. Bon, après, cherche pas le conflit. Attends. Sage est celui qui bat en retraite quand l'exigent les circonstances. Ah mais non, je voulais combattre, moi. Attendez, les amis. Allez, j'ai envie de faire combattre Forgelina. Du coup, on y retourne. Je pensais pas que ça allait quitter. Allez, on est parti. Limpo. Donc là, apparemment, c'est les Pokémon de type poison. Allez, c'est parti. On va enchaîner sur cette Stardust. J'avais bien aimé la première. Je pense que ça va être bien dynamique aussi. Allez, centrifugif, c'est parti. Contre Glupti. Stockage. Allez, marteau mastoc, il va y faire pas mal de dégâts, mon ami. Elle a bien fonctionné là, tout à l'heure. Elle est vraiment forte, cette attaque. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ça envoie du pâté, comme je dirais. Ribougraine, je sais pas de... Peut-être Pokémon plante. Ouais, c'est Charbonbain. C'est sûr qu'il va s'en sortir un peu plus. Allez, c'est parti, charme en main. Je crois que c'est un Pokémon insecte. On va tenter l'attaque Flamèche. Wow. Il résiste pas trop. Hein. Ce charme en main, il résiste pas trop quand même. Embête un peu. Et ben, on retourne sur Forgelina. C'est pas grave. C'est parti. Allez, centrifugif pour commencer. C'est pas mal. On va rester sur la même attaque. Un ninja vaincu doit savoir disparaître en silence. Aïe. Eryo-sensei, pardonnez-moi. Flamme, ça va? Je surveillais le repère quand j'ai remarqué qu'il y avait du grabuche par ici. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Rrr, un complice. Mais c'est un élève en tout cas. Il n'a pas l'air de faire partie de la Team Star. Je fais peut-être pas partie de la Team Star, mais Eryo-sensei est mon mentor. Et je dois absolument le voir. Il a l'air déterminé. J'ai quelques questions à lui poser. Pendant ce temps, occupe-toi du repère. Viens avec moi, mon pote, on va discuter. Et t'inquiète, je ne vais pas te mordre. Il doit avoir ses raisons, à mon avis, le petit ninja. Tu as réussi à te débarrasser du garde parfait. Les élèves qui sont réunis dans ce repère font partie de l'équipe Poison de la Team Star. On les appelle le groupe Chi. Hey Chi! Hey Chi! Je sais pas si c'est ça. Ah, vous inquiétez pas, des fois j'ai mes petits délires un peu personnels. Le boss du groupe est Terio. Comme il a un don pour la couture, c'est lui qui a créé les costumes de la Team Star. Il est aussi un peu excentrique. C'est une personne assez imprévisible.
Du coup, difficile de savoir quel stratagème il va adopter face au défi qu'on lui a lancé. En attendant qu'il se montre, mets un maximum de Pokémon de garde hors d'état de nuire. Bon, on va essayer ça. Quand tu seras prêt, fais sonner le gong pour lancer l'étape suivante de notre opération. Il est temps de démanteler le groupe Chi. Je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, en tout cas, ça m'a bien fait rire. Bah alors, Charmomain, il tient pas le coup. Hein. Après, quand il va évoluer aussi, parce qu'il est déjà level 35, mine de rien. À moins qu'il faut peut-être utiliser des objets pour le faire évoluer, ça peut être possible aussi. Hein. Alors, on va refaire un petit check. Donc, Forgelina, on va la jouer en premier Pokémon. Alors, Miascara des Pokémon plantes, je pense pas l'utiliser. On va rester sur les trois premiers. Pomote et Léviator, ça me paraît très bien. On va partir là-dessus. Allez, on y va. Lord est parfait. Allez, on y va. On va rusher tout ça. Je sais pas si on a encore 30 Pokémon comme sur le premier Stardust qu'on avait effectué. Bzz, crac crac. Ah, le mec qui a battu un de nos groupes est entré dans notre repère. Il a eu de la chance la première fois, mais cette fois-ci, il va pas s'en sortir à si bon compte. Montre-lui la vraie puissance de la Team Star. Hé, toi là. Tant que t'auras pas battu 30 de nos Pokémon en moins de 10 minutes, pas question que tu rencontres notre boss. Et ben moi je dis on va le faire en moins de 4 minutes. Vous allez voir. Allez, c'est parti, on y va. Je vais prendre ma monture et je vais... Ah non, on peut pas prendre la monture. C'est parti. À l'attaque. Pour Frodon. C'est presque ça. Allez, go. Alors, on a du Pokémon, on en a un peu partout. Allez, on y va. On sent que les Pokémon maintenant sont plus résistants. Mon équipe est plus résistante qu'avant. Ça attaque plus. Très bien. Allez, on continue sur notre lancée. On est pas mal, on est déjà à la moitié. Tiens, c'est vipère. Pas mal ça. L'état de mort. On enchaîne tout ça. On n'a pas peur. On est des warriors, les amis. Alors, j'ai un bug. J'utilise la touche R, ça fonctionne plus. Alors, voilà, faut rappeler avec la touche ZR. Faut pas hésiter pour relancer tout ça. Allez, c'est parti, on les attaque. Allez, go. On est plutôt bon, on a fait même en moins de 2 minutes, les amis. C'est fini. On a très bien réussi cette épreuve. En moins de 2 minutes, on a réussi l'épreuve Stardust. Et on va rencontrer le boss. Ça y est, c'est parti. On peut rien contre lui. Je vais appeler notre boss. On va voir à quoi il ressemble. Parce qu'il va avoir un look démentiel. De retour dans Mad Max, hein, les gars. Allez. J'adore. Franchement, j'adore. Trop cool. Ah oui. En mode ninja, Herio, boss de l'équipe poison de la Team Star. C'est parti. Bon, j'espère qu'on va mieux s'en sortir contre le boss de cette Star Dust. Parce que le premier, on avait un peu galéré, on a mis du temps. C'est donc toi, Flamme, destinée fatale au poison, succombera. L'ennemi juré. Quand ce haïku m'inspire la victoire en garde.
Allez, c'est parti pour le combat. On est chaud. Let's go, mes amis. Let's go. Aerio de la Team Star veut se battre. Il a un style aussi. Il est bien stylé. J'aime bien. Franchement. Allez, Forgelina. Tu engages le combat. Tu n'es pas le bienvenu en ces lieux. Ton entreprise te mènera à ta perte. Il a l'air sûr de lui. Ok. On va commencer avec Centrifugif. On va commencer doucement. Très... On a eu Kuba. Ok. Une simple éraflure suffit au poison pour agir. Tremble pour ton Pokémon misérable. On part sur Vampire Baiser. Allez. Quand même assez fort les Pokémon de la Stardust, hein, j'ai remarqué. On en a 4. Allez, on continue sur notre lancée. Ça va l'emmener à bout. Même si je reçois des coups, bah, je récupère avec Vampire Baiser, donc c'est très bien. Et mon flair est tombé. Plus de 3 Pokémon. Vrombotor. On continue avec Forgelina. Ok. On va essayer Centrifugif. Ouh, ça fait mal. Mes amis, j'utilise la terracristallisation avec Forgelina. Et on se bat sur l'attaque Vampire Baiser. C'est parti. On y va. Il démarre assez tôt, mais... J'ai envie de voir son plein potentiel. Allez, faut que tu résistes. Coup critique, ça fait mal, mais on tient. Marche pas du tout. On va peut-être devoir changer de Pokémon, parce que ça fonctionne pas. On va tenter Léviator avec l'attaque hydro-queue. Elle a du mal, Forgelina. Allez. C'est parti. Ça en baisse en attaque en plus. Très bien. Tête de fer. Allez. Hydro-queue. Ses splendides capacités va lentement ronger ton Pokémon. Admire son œuvre. Ah non, pas les attaques poison. Pas très gentil ça. Un peu mieux. Allez, tiens coup mon Léviator, c'est bientôt fini. Ok. On est pas mal. On est pas mal. On va utiliser Pommotte. Allez. On va alterner un peu les Pokémon. Allez, contre le type poison, c'est vrai que c'est assez difficile. Ah, pas réellement de type efficace là actuellement. Rotan Mort, je sais que c'est bien résistant en plus. Bon, c'est quand même un petit avantage avec Cage Éclair. Commencer comme ça.
ça rigole pas. Coup critique avec morsure. On retente une seconde fois. Allez. Il a l'air d'être plus efficace l'attaque morsure. Un pommette est KO. On va utiliser Miascarade. On va partir sur tranche nuit. Comme j'ai une bonne vitesse avec Miascarade, ça devrait aller. Et parti. Et on continue avec le dernier Pokémon qui est son véhicule, tout simplement. C'est une dinguerie d'ailleurs. Level 32. Ok. Partir sur aiguisage, je vais essayer de résister à ses attaques poison. Ouais, c'est un peu chaud quand même. J'ai peur qu'il résiste pas. On va essayer quand même de passer l'attaque tranchée, mais ça me paraît chaud. Bon. C'était un peu juste, hein, m'en doutais. Drabi est encore trop faible pour combattre. On va partir sur Forgelina, je vais la soigner. Alors, ce qui est très bien, c'est que la Terra Cristallisation reste sur les Pokémon. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va lui mettre un peu de soin. Super efficace. N'est pas aidé quand même, hein. Oh là là, c'est difficile mes amis, c'est difficile. Quand même fort la Stardust. Hein. On a du mal à s'en sortir contre eux à chaque fois. Allez, charbon main. On va essayer. Allez, feu follet. Allez, tu résistes un petit peu. Élite. Et ça l'affecte pas, comme par hasard. On va utiliser un rappel sur Pomote. On va tenter une cage éclair. On va essayer ça. J'espère que ça passe. Allez, cage éclair. Il faut que tu tiennes, hein. Elle est vraiment trop fort, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. On va en profiter pour envoyer Drabi. On va tenter Dracosouf qui peut aussi le paralyser. Est-ce qu'il va résister? Ça va être dur pour lui. Ah, Drabi a quand même de la résistance. Hein. Comme quoi. Alors, c'est parti. J'avais vu que j'avais une guérison. On va utiliser sur Léviator. On va essayer de s'en sortir avec Léviator. Ça va pas être facile, hein.
Allez, Léviator, t'es le dernier. J'ai utilisé rappel max sur Pomod pour essayer de quand même le lancer une cage éclair au cas où. Qu'on perde pas ce combat, je l'ai jamais la faire. Quitte à utiliser les grands moyens, ce n'est pas grave. On va bien réussir par l'avoir au bout d'un moment. Allez, on tente une attaque morsure. Repoison, c'est abusé quand même. Et on reçoit des picots. C'est descendre ses PV quand même. Toujours en difficulté sur les Stardust. Hein. Impressionnant. Qu'est-ce qu'on fait, mes amis? Ça commence à être difficile, hein. Et je retente une attaque morsure quand même. Bon, il ne reste plus que Pomod. C'est parti, on envoie Pomod. Quand même un peu difficile. Allez, on tente la cage éclair, faut que ça passe. Il résiste, c'est très bien. Ça n'affecte pas. Faut pas y mettre des cages éclairs, ni de feu follet. Faut pas faire grand chose, dis donc. On va retenter Léviator. De toute façon, il va tomber. Peut-être avec l'hydroqueue, ça devrait mieux fonctionner avec mon Léviator. On va essayer. On va gagner l'affaire. Hein. Allez, c'est parti. On tente Léviator. On va être empoisonné. Ah non, il n'y a plus les picots. Alors je vais essayer de faire une danse Draco. Et de leur soigner par la suite pour vraiment booster Léviator. Il va booster son attaque normalement. La vitesse aussi. Et je vais en profiter pour le soigner. Voilà, jouer comme ça. Pas que je sois empoisonné par contre. On retente une de danse Draco. Encore une fois. Je remets une super potion et j'attaque. Ça va aller, qu'on va tenir le coup. Allez. Faut qu'il tienne le coup, le Léviator. Thank you.
on va mettre un antidote. On est 7, c'est le moment. Ça va être chaud, mes amis, pour ce combat qui est intense. On a du mal. On résiste, on résiste. Et après, on va passer à l'offensive, mes amis. Je vais prendre mon mal en patience, c'est pas grave. Mais on va s'en sortir. Allez, on tente l'attaque hydroqueue. C'est parti. Et la deuxième qui arrive. Et on le one shot, les gars. On a réussi. Impeccable. Durement, mais sûrement. Les Stardust, j'ai du mal quand même. Je sais pas si ceux qui ont fait Pokémon Violet, vous avez galéré autant, mais moi, j'avoue que j'ai un peu de mal. Pardon, mes amis. Un an et demi plus tôt. On va retourner dans le passé, comme le premier épisode de la Team Star. Pardon, le matériel est arrivé fort tardivement. Waouh, matez-moi ces bottes, elles sont d'enfer. La capacité nitrocharge fut mon inspiration. Mon uniforme est exactement comme je l'avais imaginé. Merci beaucoup. Idole du public, impératrice de l'enfer. Nefli l'invincible. Que ce haïku, tout comme cet habit, fasse honneur à ton image. Grâce à toi, on a tous un look de badass. Merci Ryo, t'es un as. Vous en imposez de ouf tous les deux. Maintenant, plus personne ne va oser vous chercher des ennuis, c'est sûr. Je félicite rarement les gens, mais là, c'est vraiment du travail de pro. Quand je pense à tous ceux qui t'ont harcelé, juste parce que t'es fan de ninja et de poésie. Classique, quelle bande d'idiots. La voie du ninja est un sentier parsemé de ronces, inaccessible au commun des mortels. Et la bave du cradopo n'atteint pas le blanc, l'estombelle. Waouh, c'est profond ce que tu dis. Même si j'ai pas tout pigé. Moi non plus, je vois. Mais t'as raison de pas se laisser faire. Tu as bien raison de t'affirmer, Ryo. Moi, je te trouve super tel que tu es. Ok, fini la tchatch. Maintenant, faut s'entraîner. On doit se tenir prêt pour l'opération Star. On est les boss. On se doit d'être les plus forts. De quoi on aura l'air si on est plus nul que les autres membres de notre groupe. Absolument, entraînons-nous corps et âme. Je me suis lancé corps et âme dans cette bataille. Mais la défaite était mon destin et je dois à présent respecter le code d'honneur. Prends ceci, tu es digne de le porter. Et voilà, on a réussi... L'objectif Stardust et on a le badge équipe poison de la Team Star vaincu, c'est fait. On a galéré encore une fois sur la Stardust, décidément. J'ai dit que je voulais pas galérer sur le prochain Stardust, bon, on a quand même mis du temps. On s'en est sorti au final, le but c'est quand même qu'on réussisse. Et voici une technique qui répond au canon de mon Nindo. Donc, Détricanon, c'était qu'on a reçu. Ça permet d'empoisonner le Pokémon adverse. Ok. Tu t'appelles Flamme, n'est-ce point ? Ta victoire n'évoque en moi ni rancune ni douleur. Mon âme est en paix et j'accepte ma défaite. Ryo-sensei. Mais c'est toi ? Ce petit gars voulait absolument te voir, il a quelque chose d'important à te dire. Ryo-sensei, écoutez-moi s'il vous plaît. Ça sera pas long, je vous l'assure. Pourquoi es-tu ici ? Je suis venu pour vous aider, Sensei. Si vous continuez à pas venir à l'académie, on va vous renvoyer, vous savez. Mais c'est trop injuste. C'est grâce à la Team Star que moi et mes copains, on peut de nouveau aller à l'école.
Sans cette opération, on aurait encore trop peur de nos harceleurs pour y mettre les pieds. Vous êtes notre héros, et je refuse que des gens comme vous se fassent renvoyer de l'académie. Pardonne-moi. Et votre big boss alors, vous avez aucune nouvelle ? Pas depuis ce jour. Sans Big Boss, la Team Star n'est rien et sans la Team Star, impossible d'aller à l'académie l'esprit zen. Voilà pourquoi je dois protéger ce repère jusqu'à son retour, telle est la voix du ninja. Qui est-ce donc ce Big Boss ? En qui vous avez une telle confiance ? La vérité est que nous n'avons jamais eu l'honneur de faire sa rencontre. De son propre aveu, notre Big Boss ne sort pas de son logis par peur des interactions sociales. Et tout comme nous, les harcèlements sont à l'origine de sa situation. Je me demande qui c'est quand même le Big Boss, hein. J'ai hâte de le voir. C'est terrible. Nous ne connaissons ni son nom, ni son apparence, mais nous considérons malgré tout cette personne comme des nôtres. C'est pourquoi nous attendons son retour dans nos repères avec impatience. Alors c'est pour ça que vous n'allez plus à l'école, mais vous oubliez quelque chose, Sensei. Je suis votre disciple, je suis là pour vous, et il n'y a pas que la Team Star qui vous soutient. Camarade, ta fidélité m'honore. Des élèves qui ne vont plus à l'école du harcèlement scolaire, on commence à y voir un peu plus clair. J'ai du mal à croire que j'ai pu être si aveugle au problème des élèves de l'académie. Ces jeunes ont tissé de puissants liens d'amitié en partageant leurs peines, et c'est celle même peine qui motive leur action. Je réalise aujourd'hui que je n'ai pas su les comprendre. J'en ai terriblement honte. Ah, ça va s'arranger, monsieur Clavel, vous inquiétez pas. Tistar rassemblé contre toute adversité. Mon unique trésor. Ce haïku a toujours résonné en moi telle une vérité immuable. Mais peut-être était-il erroné. J'ai hâte aussi de savoir la fin de l'aventure de cette Team Star. Il y a tout un mystère au niveau du Big Boss qu'on ne connaît pas. Ça se trouve, c'est quelqu'un qu'on a déjà rencontré, va savoir. Hein. Vous savez, on peut avoir de bonnes surprises sur les Pokémon. Bon, en tout cas, le deuxième défi Stardust est réussi. Une bonne nouvelle. Cassiopée, Flamme. Eriot a donc donné son badge team. C'est bizarre, parce que Cassiopée, il les connaît tous. Je me demande pas si ce serait lui, le Big Boss. Ça peut être possible, hein. Ça peut être possible. C'est parfait. Maintenant que le groupe Chi n'a plus de boss, il va totalement disparaître. Il a l'air bien confiant quand même. Eriot. Excuse-moi, j'étais encore perdu dans mes pensées. Voici ta récompense, je vais transférer quelques PL sur ton téléphone. Et on a récupéré 6000 PL. Parfait. La machine à CT propose désormais davantage de CT à fabriquer. Impeccable. N'hésite pas à enseigner de nouvelles capacités à tes Pokémon. Quelqu'un de l'équipe de ravitaillement arrive pour te donner quelques ressources. Ah, Pania, on l'avait vu au premier Stardust. Salut, c'est le ravitaillement. Ah oui. Ah, qu'est-ce que c'est ? N'aie pas peur, il va pas te manger. Oh, toi, t'as un sandwich. Arrête. Au secours. Ah, si t'as des sandwichs dans ton sac, il aime bien ça, Mirédon. Alors, il va les manger. Ça, c'est une certitude. Berk, il m'a bavé dessus. C'est quoi cette chose? C'est un Pokémon. Ah, dû mettre mystérieux, c'est pas grave. C'est le cas de le dire. Attends, tu disais ça au premier degré? Ah pardon, je dois te donner ta récompense avant d'oublier. Vous avez reçu plein d'échantillons. C'est bien qu'on a reçu des échantillons. Tu t'appelles Flamme, c'est ça? Et tu fais partie de l'équipe d'assaut de l'opération Stardust? Alors dis-moi, qu'est-ce que tu penses de la Team Star? Mais quand même être honnête, ils sont forts. Parce que quand je vois les boss, le temps que je mets, j'avoue, ça traîne à chaque fois et j'ai du mal. Ils sont quand même forts. Ah bon? Tu sais, j'ai entendu des rumeurs à leur sujet. Il paraît qu'au fond, ils ne sont pas si méchants. La plupart d'entre eux auraient été des victimes de harcèlement ou auraient tout simplement du mal à gérer les interactions sociales.
Ils se serrent alors rassemblés pour former la Team Star. Tout seul, c'est dur de lutter contre le harcèlement, mais à plusieurs, ah. J'ai lu tout ça sur le réseau social privé des élèves, j'ai piraté l'un des comptes, j'ai aussi lu qu'il y aurait quelqu'un au-dessus des boss et qui serait le cerveau derrière tout ça. Mais qui est le boss, mes amis? Je n'ai pas autant parlé depuis longtemps, j'ai la gorge toute sèche. Du coup, bonne chance pour démanteler les autres repères. On aura bien duré sur cet épisode, mes amis. Je suis en train de regarder l'heure, effectivement. On a fait une très bonne heure, une très très bonne heure, voire plus. Alors, avant de terminer cet épisode, je veux récupérer le petit pièce de mort du Nord que j'entends depuis tout à l'heure. Mon oreille me trompe jamais. Elle est juste ici. Et enfin, on a terminé ce combat contre la Team Star. On a le deuxième badge de la Stardust. Encore un boss vaincu. Encore une bonne aventure de l'Explo. Bon, ce qu'on va faire pour la prochaine fois, comme je me suis planté, faut dire ce qui est. On devait aller là. On s'est carrément gouré, quoi. Alors, j'espère qu'on aura la possibilité... J'ai l'impression que je peux pas accéder par là. Un gros doute. J'espère qu'on pourra accéder facilement. Parce que là, je vois qu'il y a de l'eau un peu partout. On a la voie du maître qui est carrément sur l'eau. Ok, pourquoi pas. Il y a un autre badge aussi. Badge d'arène glace. Ok. Là, ça devait être les spectres. Encore plein de choses à découvrir, mes amis. Hein. On n'a pas fini cette aventure. Hein. Allez, on va retourner au centre Pokémon. Je vais soigner mon équipe. Et on verra pour la prochaine fois sur quelle destination j'irai, tout simplement. Après, peut-être continuer Pokémon dominant pour peut-être avoir d'autres capacités. Je sais pas si on peut voler, si on peut... Bon, aller sur l'eau, à mon avis, ça se fera. Voler, je ne sais pas, ça me paraît quand même assez exagéré. Donc, on va sauvegarder là. Et on verra par la suite sur quoi l'on part. Après, pourquoi pas, dites-moi aussi en commentaire sur quelle aventure vous voulez que je parte. Soit sur la Stardust, affronter la Team Star, soit les badges de l'arène, où on continue à poursuivre les Pokémon dominants pour avoir aussi les épices, hein, pourquoi pas. Et les capacités aussi pour Mirédon. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai un retour avant le prochain épisode, pour pourquoi pas m'engager sur ce que vous me conseillez. Je suis tout oui. Allez, on arrête pour aujourd'hui. On a fait un très bon épisode qui était très bien d'ailleurs. Et je vous dis à très bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un maximum de pouces. Abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Et si vous voulez voir les prochains épisodes et être informé, activez la cloche. Allez, salut!